Hello, Gilles. I hope you enjoyed your last match. Congratulations for your amazing career. Very long one. I think you achieved your dreams. A lot of amazing memories without a doubt. And I just want to wish you all the very best in your future. No? All the best in your personal life. And I hope you will have a great memory of the tour. And we're gonna keep seeing each other without a doubt, because I know you love tennis and you will be around. So all the very best and hope to see you soon. Gilles, congratulations on your career. It has been an amazing ride for you, I'm sure. I've been happy to be alongside you on this journey. There's only 1 year difference between you and me, and we've known each other for a long time. We had some great battles on the court. And we had some very good battles as well in the player council, where we have been colleagues for several years. And your contribution to the tennis, particularly from that standpoint of trying to always fight for the best interest of the players, it has been amazing. Thank you for that. You can be proud of your career. Best possible way to finish in your city, in your country, with all your compatriots and people cheering you on. Well done again, mon ami, and see you soon. Gilles, congratulations on your amazing career. You are officially the chess master of tennis. You are extremely annoying to play against, and you've earned it with all your hard work and your dedication to the game. I'm sure we're gonna see you on the tour. We're gonna see you on the tennis courts. I don't think you're going to be away, which is such a good thing. I wish you the very best in your career, in your personal life, and growing as a human being every single day. Salut Gilles. Écoute, déjà, félicitations pour cette magnifique carrière, pour tout ce que tu as donné pour toi-même et pour le tennis français. Et moi, je suis très honoré, très content d'avoir partagé ces quelques dernières années sur le circuit avec toi. J'ai beaucoup appris, des fois sur le court et en dehors du court. Donc merci pour tous ces moments de partage de tennis, et au plaisir de partager plusieurs autres moments dans le futur. Salut Gilles, je fais ce message après le match d'aujourd'hui, donc je sais que tu vas rigoler de ça, donc je suis très content de faire ce message. Je te félicite pour ta carrière, pour tous les fois que tu m'as défoncé les jambes et dans le score et dans le jeu. Je pense que j'ai beaucoup appris en jouant contre toi, en entraînant avec toi. Je me souviens que mes premières grandes victoires étaient toujours après qu'on s'entraînait sur le tournoi. En toute façon, je te souhaite tous les meilleurs pour tout ce que t'attends après ta carrière. Et encore un grand bravo pour ta carrière magnifique. Je suis très content de partager quelques années avec toi. Hey Gilles, écoute, bravo pour tout ce que tu as fait, cette immense carrière. On s'est côtoyé depuis tout jeune. Moi, j'ai un souvenir déjà à Bressuire, je me souviens, je te l'ai souvent parlé. J'avais 11 ans, enfin, même 10, et toi, tu devais en avoir 12. On avait joué 3 heures de match. Le lendemain, je n'avais pas pu jouer. Voilà, tu as toujours été un compétiteur incroyable et un ami sur le circuit toutes ces années. Donc, je suis fier de la carrière que tu as fait et fier d'avoir pu la partager avec toi. Et c'est pas fini, la précarrière sera magnifique. Donc, bravo à toi. Mon Gilou, mais aussi mon Rilou, l'Argentin, quand j'avais l'habitude de t'appeler. On avait aussi l'habitude de t'appeler CNN, parce que tu la fermais pas. On avait aussi l'habitude de t'appeler Las Machetas à cause de tes phrases sanglantes. C'est une page qui se tourne pour toi, pour nous tous, parce que quand toi tu pars, bah, c'est une part de moi qui part aussi. C'est vrai qu'on a partagé des trucs incroyables. On a partagé les chambrées, on a partagé nos vies, j'ai envie de dire. Qui l'aurait cru que des gamins de 13 ans puissent avoir une histoire finalement aussi belle, parce que même en l'écrivant cette histoire, on aurait tendance à dire que c'est pas possible. Mais nous on l'a fait, on était ensemble dans la même école. On prenait le bus ensemble le matin pour partir à l'école, on dormait dans la même chambre. On allait dans les mêmes salles
d'études. On s'entraînait ensemble, on faisait des bêtises ensemble, on rêvait en haut du central de Roland-Garros quand on était interne ici. Et c'est vrai que on s'est retrouvés ensemble en Coupe Davis à vivre les grands moments, les moments difficiles. Et c'est vrai que tout ça, ça restera, ça va nous lier pour la vie. En tout cas, c'est ce que je ressens et sache que je t'aime et je te souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite. Continue à te régaler, continue à être celui que j'aime, celui que les gens aiment. Et puis on se voit très vite. Salut. Gilou, j'ai pas forcément de mots, mais en premier déjà, forcément, félicitations pour tout ce que t'as fait dans ta carrière. Mais ça, c'est un fait. Je voulais te dire merci pour plein de choses. Pour moi, tu es un grand frère, tu sais. Tu as œuvré dans toute ma carrière. Pas mal de personnes le savent, mais beaucoup de personnes en interne savent que voilà. Jusqu'à maintenant, tu m'aides et t'es un exemple. Tu as eu une carrière exceptionnelle. J'ai même pas envie de parler du côté sportif, mais le côté humain. Tu es une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Je suis content que tu aies pu t'épanouir et que tu finisses en beauté comme ça, ici à Paris. Maintenant, voilà, tu auras une nouvelle carrière, d'autres objectifs, et je te souhaite beaucoup de bonheur pour ça. Et on est ensemble, tu sais très bien, du début jusqu'à la fin. Encore bravo, Gilou. Je t'aime, mon frère.